Zombie apocalypse. Sur Dieso Gaming pour la suite d'Assassin's Creed. En ce moment, si vous voyez que je fais pas beaucoup de vidéos, c'est normal, c'est que j'essaie d'avoir un bon son. Parce que j'ai vraiment l'équipement adapté, sans vouloir me vanter ni quoi que ce soit. J'ai vraiment l'équipement adapté, mais je sais pas, il y a un réglage que j'arrive pas à faire correctement pour proposer des vidéos de bonne qualité. Donc voilà, donc là j'ai refait un autre réglage, j'espère et je pense que ça va le faire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, écoutez, on va directement faire la mission de toute manière, donc à tout de suite. Bon, ça par contre, des chargements, hein, je peux rien y faire. C'est long, et bah c'est long, voilà. Je peux régler beaucoup de choses, mais ça, non. Je ne travaille pas chez Ubisoft, moi. Alors, non, c'est même pas là la mission, en fait. C'était juste pour me rapprocher un peu plus. Qu'est-ce que tu vends, toi, au passage? Compétences. Corps à corps, portée. Hey, je suis rendu à 7. Ah, je sais pas, je vais me dire 7 abstergo, mais je sais même pas comment ça s'appelle. Mais, du coup, moi, je voulais bien. Enfin, les compétences numéro 2. Ah, je sais pas, bien sûr. Ok. Alors, là, c'est quoi? Une attaque fatale contre deux cibles proches l'une de l'autre. Eh, hey, ça, je veux bien. Ouais, je veux. Je veux bien ça. Et là, c'est quoi? La petite période de vous déguiser. Ainsi que vous avez proche. D'accord. Il de partager la vision d'aigle avec les joueurs. Ok, ouais, donc c'est beaucoup pour le online. Ouais. Ouais. Corps à corps, j'ai rien appris. Et ça, je le connais. Donc, ok. Et santé. Et ben moi je vais prendre ça. Sur l'autre il coûte 10, donc de toute manière je peux pas le prendre. Et ben voilà, c'est pas mal, moi je dis. Voilà. Alors, du coup, c'est en haut, c'est ouais, c'est en haut. Alors. Progression. Progression du online. Mais d'ailleurs, je pense que j'en ferai du online parce que ça me plaît tout simplement. J'espère que la prochaine vidéo d'online sera avec mon pote Etchi. On verra bien. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Tiver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Cyber a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets et apporte-lui la paix. Ok, mais on va aller voir monsieur le roi des thunes. Alors, appuyez sur donc, gauche, j'ai envie de dire. Pour sélectionner la lame fantôme, lorsque vous en êtes équipé, appuyez sur L1 pour un tir rapide. Maintenez L1 pour viser et appuyez sur R2 pour tirer. Les lames furie amènent les ennemis à s'attaquer mutuellement. Vous pouvez acheter de nouvelles lames dans les boutiques. Ok. Lame furie, lame fantôme. Ça pétard, ok. Ça roule. Du coup, je vais sélectionner lame furie hein, directement. Alors, du coup, non, c'est pas par là pour sortir.
pour faire le tour. Allez, tu peux pas sauter. C'est bien dommage. Moi je dis que c'est bien dommage. Alors, on va partir par là. Ah mon ami. De toute façon, faut quitter le bâtiment. Donc on va quitter le bâtiment. Bon, apparemment, ce que je comprends, c'est qu'il faut pas forcément jouer le but. Ça va être plus une mission d'infiltration. Ce qui ne m'arrange pas vraiment, je vais vous l'avouer. Parce que les missions d'infiltration, on peut pas dire que c'est mes copains. Mais bon, je m'adapte, il n'y a pas de souci. J'adore ce jeu. Alors, c'est pas une mission d'infiltration qui va me faire chier. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais bon. Alors du coup, c'est par où? C'est par là. C'est par là. Ouais, tu m'as fait quelque chose de bizarre, mais c'est pas grave, on va faire avec Arnaud. Il n'y a pas de soucis. On va essayer de passer par là, on va essayer de pas se souiller. Hop là. Hop, hop. Et après, dites-moi par commentaire si ça vous satisfait. Justement, bah, le fait que j'ai fait moins de vidéos pour chercher les problèmes de son, et du coup, le rythme est beaucoup moins élevé qu'avant. Si vous préférez avoir un rythme aussi bas que, bah, que là maintenant, ou si vous êtes pas. Ou si vous préfériez, comme avant. En fait, à la base, je voulais pas tuer. Piquez-le, ça va le faire. Oh putain. Oh putain, je me suis fait embrocher comme une saucisse. Bordel. Non, la base c'était l'autre en fait que je voulais buter parce qu'il avait un truc rouge, je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Y'a pas de problème. On va aller du point A au point B, on va essayer de pas s'arrêter, de pas faire le con, de pas aller au fight. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus intéressant. Allez. On y croit. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on part par là. Bon, c'est peut-être temps que j'avance aussi dans les activités annexes. Parce que ça a été une annexe que je découvre les points de synchronisation, etc. etc. Et là, je vois vraiment que. Ça veut dire que j'en fasse un peu plus. Parce que là, on voit que rien n'est découvert. Et du coup, c'est pas forcément cool pour moi. Pas grave. C'est mon petit souci, mais ça me fait chier un petit peu. J'ai même dû commencer par une unité annexe. Ah, c'était la plus intelligente. Pas grave. Alors, tu peux descendre, Arnaud, s'il te plaît. Merci. Alors, il a l'air vachement loin. Je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, il y a un petit coffre à gauche. On va pas s'arrêter pour ça. Excusez-moi, madame. Tu es le messager sans être... Alors, quelle surprise! Ravi de vous voir, mon pote. Vous avez vu quelque chose, vous? J'ai rien vu du tout. Rien vu. Et ben, y a un petit coffre là, je fais pas des détours, mais s'il y en a un côté, autant prendre. Je vais être en haut. Voilà. Allez, ça prend 5 secondes, c'est pas énorme. Voilà. C'est fait, c'est réglé. Je vais bûcher mon coffre. Allez, Arnaud, on va se dépêcher un petit peu parce que c'est pas à côté, c'est comme cette affaire. Un peu d'acrobatie quand même, c'est Assassin's Creed, hein, faut pas oublier. Hein. Assassin's Creed. J'ai vachement de mal à le prononcer. En même temps, tout ce qui est les prononciations anglaises, en règle générale, de toute manière, c'est jamais vraiment le truc. Je galère toujours plus ou moins à les prononcer. Bon, c'est pas grave, je suis comme ça. On dit en même temps, pas comme ça. Oh putain, mais... chier, vraiment. Putain, j'ai le fight alors que j'ai pas qu'à nous fighter. Allez, voilà, ça c'est fait.
Il a rendu à deux coffres. C'est-à-dire qu'il y a 40 coffres et. Enfin, 40 coffres entre autres, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des coups de garde, c'est ça. Et voilà, ça c'est fait. Hop. J'ai tué. Ouais. J'ai tué les. C'est marqué quoi d'ailleurs, je sais plus. Peu importe. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'aussi on peut aller du point A au point B, mais il y a plein d'activités annexes entre les voleurs, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. Comme là, on aime beaucoup. Quoi. On aime beaucoup la manière qu'il se fait transporter. Moi personnellement, je kiffe. Et là, et qu'est-ce que je leur ai fait exactement, on peut me dire. Je passe à côté, j'ai couru, ça leur plaît pas quoi. Oh mais lol. Non mais franchement, hein, je vais me faire faire ce que je veux. Allez, avance. Voilà, voilà. Allez. Bon, il me reste 90 mètres à faire, c'est pas énorme. On a quand même parcouru. Moi je sais plus combien on était rendu au départ, 300, truc comme ça, je crois. J'en sais rien en fait, je dis ça, mais. J'ai vraiment pas fait attention. Mais au vu de tout ce que je marche depuis tout à l'heure, je pense. Allez, excusez-moi. Voilà, hop là. Allez, c'est parti. On va voir une autre cinématique, je suppose. Bien ou pas hein. Cours des miracles, 19 janvier 1791. Et madame, vous voulez une pièce, c'est ça? Explorer la cour des miracles. Ok, on se saille. Sympa. C'est sympa. Et pas en public, hein, pas en vidéo, hein. Sinon, moi, je dis quelque chose, hein. La cour des miracles. Oui, ne t'en fais pas. Il y a bien travail. J'ai vécu dans les colonies il y a quelques années. Ça, c'était vraiment. Garde une main sur ta bouche et tout ira bien. Alors, c'est un peu le bordel, la cour des miracles. Personnellement, je trouve. Non, vous avez rien. Non, mais arrêtez. Mais arrêtez de m'embêter. J'ai bien envie de changer le visage. Mais en fait, je me fais baiser comme une rose là. Non. Bon, de explorer la cour des miracles, c'est un castagne. Allez, tranquille. Voilà. Prochain coup. Faites pas chier. Je sais qu'il y a des boss, dame. Alors, du coup. Le voilà. Le lieutenant du roi des tuiles. La touche. Alors, j'ai vu une chose de bleu. Mais j'ai pas le temps d'en voir. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Splendide, oh, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats. Doucement,
Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats, enfin pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Non mais sérieux. Ils ont coupé la jambe comme ça, normal, en pleine rue. Y a aucun stress. Là, faut juste suivre les traces de sang. Dans quel jeu ça? Alors, faut que je fasse un meurtre. Voilà, c'est fait. Un jour viendra, Nicarta. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Les mixus sur la transpiration, ça va, je vous demande comment on trouve mal. J'ai avoir la gueule dans le mur. Là, je l'ai. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les caisses. C'est pas la bonne cause. C'est vrai. Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un 1. Et plus beau que toutes les verrues de la reine. Faites-le entrer, vite. Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Alors, je vais... Oh merde, c'est dans la tour.
sort. J'ai plus de monde sur les gènes. On va les avoir. Bon, toi tu me saoules, clairement tu me saoules. Ah, c'est bon. Mais là je veux furtivité, tu veux pas. Ça j'aimerais juste en fait le lancer en fait. Tu peux récupérer ça Arnaud, est-ce que tu serais assez con ouais, c'est bon, je m'en prie. C'est pas comme si j'avais galéré hein. Voilà. Alors, ensuite descend, descend. Putain. Du coup, je reprends des pétards. Ouais, c'est bon. Pourquoi cette agitation ? Allez, viens vers moi, toi. Bah, ouais, j'en ai plus, ouais, le... Le sifflement là qu'on avait avant, là. Mais dans l'air, bon sang. C'est incompréhensible. J'étais juste derrière lui. Je vais aller voir. Par contre, je vais les fouiller un petit peu, juste pour récupérer des bombes fumigènes ou choses comme ça. Parce que si j'ai encore une mission comme ça où il m'en faut, ben j'en aurai pas. Tout simplement. Donc, ce qui est un peu con. Là. Et après, ah voilà, deux bombes fumigènes, ça c'est bon. Ça fait plaisir. Par contre, en vie, je suis pas. C'est bien. Alors, où est-il notre monsieur? Et je ferai décrocher aussi. Quelle est la consigne pour le malheureux du 6? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne feront pas la différence. Toi, ta gueule, clairement. Envie et besoin de toi. Trouver la touche. Où la touche? La touche. Ça, c'est là d'où je viens. Où est-ce qu'il est, mon garçon? Alors, ok, on va monter là, sans stress.
À mon avis, il faut que je trouve une entrée de porte ou de fenêtre pour justement arriver à notre latouche. Qui me voit? Ah putain d'enfoiré de merde! Putain! C'est pas cool! C'est pas cool, c'est pas cool. Il a pas été gentil avec moi, le monsieur. Allez, les chargements encore super longs. Mais bon, on s'y fait, hein. En même temps, on n'a pas trop le choix. Alors, où est-ce que j'apprends? Je reprends. Ouais, je suis leader ou pétard. J'espère que j'ai assez. Ils verront-ils me prendre cette semaine? Le tribut de Sagras ne s'est jamais. Ah, hop. Hop là. Rapide, clair, efficace. Ah, du coup, on va pas se faire avoir par le même mec tout à l'heure. Hein. C'est quand même con. Voilà. Bon, tu feras plus chier, non? Alors... Ça suffit, ce genre de plaisanterie. Hop là. Même pas. Hop là. Et voilà, on passe. Bon, du coup, mon ami, je vais là. Et là, il y a du monde. Quelle est la consigne pour le malheureux Ulysses? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de Vitry. Il est là. Il est là, monsieur. Où est le roi des dieux, et je te laisserai la vie. Les catacombes! Il est dans les catacombes sous la vieille église! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon dieu! Mon dieu! Alors, fuir. Hop, allez. Alors, on grimpe. Très vite, par contre. Très, très vite. Allez. Putain. On pose-moi des questions, franchement. Allez. Voilà. Allez, dépêche-toi un peu. T'es sûr de toi, Arnaud? Ouais. Hein, quand je vois ta vie, pas cool, hein. Donc l'heure est pétard et meurtre à la lame fantôme. On a tout réussi à 100%, c'est plutôt cool. Donc voilà les gamers, et ben on a fait la mission du jour. Parce que vous savez très bien que je fais une mission et en plus on a généralement la chance que ça dure une demi-heure, donc pile le temps de la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas fait. Ou vous abonner, forcément. Allez, bientôt les gamers.